tous, bienvenue encore ce soir. Alors que tu seras en train de te mettre debout, j'aimerais que tu acclames, bienvenue à Kojera, bienvenue à Kojera. Tu peux même rajouter des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Nous sommes dans une atmosphère angélique ce soir. Alléluia, nous sommes émerveillés par cette atmosphère, oh Dieu. Yeah. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé yes. En ta présence, ta joie me remplit. Émerveilleux. Oh, est-ce que nous pouvons le déclarer ce soir? Rien impossible. Nous sommes émerveilleux ce soir. Personne comme toi, personne comme toi, personne comme toi,
sers sans glorie. Toi le Dieu fidèle, puissant et tout. Tu fais de je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer car tu dans ma vie. Je veux t'adorer.
tu es mon Dieu. Tu es le soutien de celui qui n'en a pas. Tu es la paix de celui qui est dans la détresse. L'espérance de celui qui n'a pas d'espoir. Tu es celui dont nous avons besoin aujourd'hui. Tu es celui qu'il nous faut ce soir et celui que nous cherchons. Nous bénissons ton nom pour cette réunion. Et nous te rendons toute la gloire par nos acclamations ce soir. Toute la gloire, toute la louange te revient. Tu en es digne, tu en es digne. Tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne. Prends plaisir en ce moment.
et reçois nos louanges au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux m'aider à regarder ton voisin de gauche, de droite, tu lui dis bonjour. Tu peux regarder un autre voisin, tu lui dis comment ça va. Amen. On peut reprendre place quelques instants. Nous bénissons Dieu pour ce moment. Nous sommes déjà dans notre deuxième jour de notre événement Cogéraphe, mais qui fait partie d'un grand événement de l'Église, Atmosphère de rafraîchissement. Depuis plusieurs jours, l'Église Parole du Salut a décollé. Quelqu'un dit avec moi, décollé. Et nous bénissons Dieu pour cet événement qui est réellement une richesse. Il y en a certaines qui nous rejoignent en plein vol, d'autres qui étaient là depuis le début, mais l'important c'est que tous nous puissions gagner de la hauteur. Et aujourd'hui, nous voulons gagner de la hauteur grâce à une servante de Dieu merveilleuse qui va aujourd'hui nous conduire encore dans la louange et l'adoration. Nous parlons de la servante de Dieu Mirella. C'est une bénédiction pour nous. Alors certainement, nous la connaissons, c'est elle qui a eu à interpréter la version française du chant « J'irai ». Elle a également été l'auteur d'un EP, « Tu parles », et aujourd'hui, elle va nous conduire dans la louange. Alors qu'on peut se lever, acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Les amis, je suis tellement honorée et contente d'être avec vous ce soir. Est-ce que je peux voir les mains de toutes celles et ceux qui ne veulent pas atterrir, mais qui veulent rester là-haut? Qu'est-ce qu'il est bon d'être dans la présence de l'Éternel, n'est-ce pas? Alléluia. Alors si ce soir, il y a une personne d'entre vous qui a soif de l'Éternel, qui a faim de l'Éternel, sachez que vous êtes au bon endroit ce soir. Attendez-vous à ce qu'on soit béni, attendez-vous à ce que vous rentrez chez vous, pas de la même manière que vous soyez arrivé ici. Louons l'Éternel car il est digne. Et parce que qu'importe la situation que tu traverses, l'Éternel reste le même. Il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc qu'importe les circonstances, notre louange doit rester la même. Amen. Alléluia. Oui Seigneur, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être glorifié. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Ton nom, c'est le nom de Jésus. C'est pas n'importe quel nom, Seigneur. Et c'est ce nom-là que nous sommes venus élever ce soir. Alléluia. Tapons des mains tous ensemble. Non pas pour nous, hein, mais parce que nous l'acclamons et parce qu'il est bon. On y va? Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Je me réjouis car tu vis en moi. Tu es venu me sauver, alléluia. Encore une fois, je ne vous sens pas assez convaincu de ce qu'on dit, encore une fois. Yeah.
t'adorons, Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice et merci pour ton amour sans lequel nous ne serons pas là ce soir. Merci, Seigneur, parce que je sais que dans la nuit, dans l'angoisse, Seigneur, ton amour m'entoure et m'environne, tel un écho. Alléluia, merci Seigneur, vraiment pour ton amour. Est-ce que je peux voir les mains de tous ceux qui sont fous, amoureux de Jésus? Alléluia, Jésus, j'espère que tu vois toutes ces mains sincères qui s'élèvent. Alléluia, on y va, let's go. Se surgit sans fin, tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Ensemble, lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Maintenant, je veux persévérer. Pourquoi? Car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour. Ton amour m'environne et m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme. Il résonne dans mon âme tel un écho. Oui, ton amour. Ton amour m'environne et m'élève plus haut. Oh,
que tu es. Tu vois combien nous t'aimons, papa. Seigneur, ce soir, nous voulons ouvrir les yeux de nos cœurs. Nous voulons vraiment être vulnérables, Seigneur. Nous voulons vraiment venir à tes pieds. Nous voulons vraiment... Nous avons soif de toi, Seigneur. Alors remplis-nous de toi. Nous sommes disposés, amen. Nous avons ouvert nos cœurs, Seigneur Dieu. Donc remplis et mets tout ce que tu souhaites mettre dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Alléluia. Je suis pas sûre que vous connaissez ce chant. J'ai un doute. Je vais commencer et je vais voir si vous connaissez. On y va? Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ah, vous connaissez? Tu es saint. Nous voulons te voir. Saint, tu
Sanctifie ta jeunesse, Seigneur. Sanctifie ta jeunesse, Seigneur. Sanctifie ta jeunesse, Seigneur. Je veux te voir. Saint, oui, tu es saint, Seigneur. Montre-nous ta sainteté, Seigneur Dieu. Montre-nous ta sainteté, Seigneur. Montre-nous ce soir combien tu es bon et combien tu es saint, Seigneur. Pour que cette jeunesse qui a faim, qui a soif de toi, puisse faire la différence, Seigneur Dieu. Partout où nous allons, fais descendre ton feu en cet instant, Seigneur. Fais descendre ton feu en cet instant, Seigneur. Et sanctifie tes enfants, sanctifie ta jeunesse, Seigneur. Nous voulons faire la différence, Seigneur Dieu. Montre-nous, Seigneur, l'exemple. Montre-nous ta sainteté, Seigneur Jésus. Montre-nous ce soir comment tu es. Montre-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur. Montre-nous. Montre-nous ta sainteté, Seigneur. Montre-nous combien tu n'es pas une fois, mais non deux fois, mais trois fois saint, Seigneur. Alléluia. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous savons que nous louons un Dieu qui est saint et un Dieu qui est grand. Alléluia. Seigneur, je témoigne personnellement que tu es le plus grand. Seigneur, tu as vu mes larmes dans la nuit. Seigneur, tu connais mes secrets les plus cachés. Et tu n'as cessé de me montrer, de me prouver que si tu es de mon côté, alors personne ne peut m'atteindre. Aucune attaque, Seigneur, ne pourra toucher ta jeunesse. Parce que tu es le plus grand et tu es notre bouclier, Seigneur. Et parce que je sais que si tu vis en nous, Seigneur, alors aucune attaque, aucune arme ne pourra nous toucher, Seigneur Dieu. Oui, tu es le plus grand. Oui, tu es le plus grand. En plein cœur de la nuit, lorsque vient le conflit, tu me donnes. Moi, je ne crains rien, car tu me donnes ta. Tu es ma force et mon bouclier, Jésus mon. Toute arme formée contre toi sera sans effet. Car il est pour toi. Ensemble, hey. Tu marches triomphant. Tu m'as pris dans ton camp. Tu m'as pris dans ton camp. Tu es ma victoire. Alléluia. Et tu es le grand champion. Déclare avec moi, celui
encore une fois. Celui qui vit. Tu es le plus grand et tu es le Dieu de la providence. Tu es Jéhovah Jireh. Qu'importe ce dont tu as besoin, ne cherche pas à gauche, à droite. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te combler et qui connaît tes besoins. Son nom, c'est Jéhovah Jireh. Alors dépose tout ce que tu as déposé ce soir et attends-toi à ce que l'Éternel te comble. Alléluia. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, ton amour et ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Alléluia. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Je traverserai les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. Tous ensemble, chantons, j'irai. Je n'ai que toi. J'irai. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, en toutes circonstances, je serai comblée. Je serai. Parce que je sais que je t'ai, j'irai. Et ça me suffit. J'irai. Oui, je sais que ça me suffit, je Seigneur. Je n'ai que toi. Oui, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi. Et ça me suffit. Si je t'ai, Seigneur, alléluia. Jamais ce que tu as fait. Et maintenant je vois. Tu sommes l'élément, ce dont tu m'as sauvé. Et même dans la vallée, Seigneur. Yes, tu es avec tu moi. Es avec et j'oublierai moi. Jamais ce que tu as fait. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Nous t'adorons, j'irai. Je n'ai que je toi. Je n'ai que toi, j'irai. Tu es ma providence. Tu connais tous mes besoins, Seigneur. En toutes circonstances, je serai comblée. Jéhovah, je n'ai que toi.
que toi. Seigneur, je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Oui, je sais. Et que tu m'as choisi. Que tu m'as choisi. Je sais qui tu es. Alors je sais qui je suis. Oui, je sais que tu m'aimes. Comme personne ne m'a aimé. Je n'ai que toi. Encore une fois, je sais que tu m'aimes, Seigneur. Que tu m'aimes. Et que je suis spéciale pour toi. Que tu m'as choisi. Je sais qui tu es. Que tu es. Alors je sais qui je sais suis. Qui je suis. Je sais qui tu es. Oui, je n'ai que toi. Tu es tout ce que j'ai, Seigneur. Je n'ai que toi. Oui, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Seigneur, tu connais ma situation. Je n'ai que toi. Et tu sais que je n'ai que toi. Mais je ça me suffit, Seigneur. Que parce que je sais que tu es ma providence. Je n'ai que toi. De nourrir chaque moineau, si tu prends le temps, Seigneur, de revêtir ta création de beauté, de splendeur, alors pourquoi je dois m'inquiéter, Seigneur? Tu connais ma situation, Seigneur Dieu. Alors pourvois en cet instant. Tu connais les étudiants qui sont dans cette salle, Seigneur. Tu connais les personnes qui sont en recherche d'emploi. Tu connais les familles, Seigneur, qui ont soif de toi. Tu connais les mariages qui ont soif de toi. Tu connais les couples qui soupirent avec toi, qui soupirent après toi, Seigneur. Mais nous ne nous inquiétons pas. Parce que comme je l'ai dit, si tu prends le temps de nourrir les oiseaux, Seigneur, alors je sais que tu t'occuperas de nous. Alléluia.
tu agis en moi, Seigneur. Oui, tu agis en moi. Au-delà, au-delà de tout. Tu me comptes, Seigneur. Car tu es Jéhovah. J'irai encore une fois, j'irai. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. Pour rafraîchir les autres. Nous sommes une génération choisie et sanctifiée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si on peut encore acclamer très fort et très fort. Notre pourvoyeur, notre Dieu, notre roi. Est-ce que tu peux acclamer bien fort? Acclame. S'il y avait un démon qui s'est hasardé d'être ici, qui puisse quitter, parce que tu acclames Jésus. Parce que tu acclames Jésus. Alléluia, alléluia. Nous voulons que seul le nom de Jésus soit élevé en ce lieu. Que les autres noms disparaissent. Que le nom de Jésus puisse être élevé en ce lieu. Que tout autre nom disparaisse. Que seul le nom de Jésus. Alléluia. Celui qui pourvoit pour nos vies. Celui qui ne nous abandonnera jamais. Celui qui est avec nous chaque jour. Oh notre roi. Oh Jésus. Lève tes mains, bénis le Seigneur. Lève tes mains, commence à bénir le Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent. Lève tes mains dans sa présence. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Celui le pourvoyeur. Là, il se lève pour pouvoir. Jésus, tout le manque disparaît. Qu'il prenne la place encore et la première place dans ce que lieu. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi.
que tous les autres noms. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Nous le déclarons. Le contrôle de toutes choses. Touche nos vies, parle-nous, affecte-nous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'encore une fois on peut acclamer Jésus? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Depuis hier, Dieu a commencé à nous faire du bien. Ce matin, il n'a pas cessé de nous faire du bien. Les après-midi, il nous a encore fait du bien, il nous a touché, il nous a béni. Et encore ce soir, Dieu va nous faire du bien. Avec ton masque, dis à ton voisin, prépare-toi. Et dans sous notre ciel, on le dirait autrement, on dirait get ready. Est-ce que tu peux dire à ton voisin get ready? Profite de bien parler anglais, dis encore à ton voisin get ready. Alléluia, nous avons été bénis énormément hier et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a permis encore de le recevoir une deuxième fois. Cet homme de Dieu puissant, merveilleux, hier il nous a donné en une dose une expérience de beaucoup d'années et je crois encore au deuxième dose est en train d'arriver. Et je vois quel échec va se tenir dans ton chemin. Je te vois rafraîchi, je te vois béni, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis je te vois rafraîchi, béni. Rapportant une atmosphère répandant la grâce de Dieu. Ah, si je ne te parle pas, ne dis rien. Mais si c'est à toi, lève ta main, dis amen bien. Glory, glory. Alors je veux laisser à la vidéo de pouvoir nous l'introduire. Bishop Chalo Katunga. Bishop Chalo Katunga est un coach en leadership, un conseiller, un conférencier, un enseignant, un mari et un père dévoué. Il voyage beaucoup à travers le monde pour inspirer la société avec son message de leadership courageux, de poursuite de l'excellence et de rejet de l'inefficacité. Pasteur de l'église Gospel Rama, il est le fondateur et le président d'Advanced Leadership Academy, une organisation dont l'objectif principal est de former des dirigeants issus de secteurs clés de la vie, afin d'améliorer et d'accroître leur pertinence dans leur communauté et la société. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le Bishop Chalo Katunga. Bonsoir. Vous allez bien? Yeah. Oh my words. You are such a worshiper. Yeah. Merci. On peut chanter, mais on peut adorer. Et là, c'était la prière, l'intercession pour le peuple. C'était l'adoration. Merci. Merci à mon apôtre et maman. Je sais que chaque maison a sa culture, mais moi je viens de l'école qui reconnaît le protocole. Et cet homme, il n'est pas seulement pasteur. On l'appelle pasteur parce qu'il est berger, mais c'est un apôtre.
C'est quelqu'un qui entre quelque part, qui taille dans du rien et qui établit l'ordre et donne le sens de direction aux gens. J'ai vécu longtemps avec la communauté La Bonne. C'est comme si tout s'arrête au pastoral. Au-delà, il n'y a pas. Mais c'est un mélange de diverses grâces de la part du Seigneur. Nous respectons la maison. Cet homme, c'est un apôtre. Et lorsqu'on le reconnaît, on le respecte dans cet office-là. Il y a des bénédictions qui s'attachent au protocole. C'est un théologien de notes, donc tout ce que je vous dis n'est pas vraiment quelque chose de scientifiquement élevé. Il peut vous enseigner mieux que moi. Le royaume de Dieu fonctionne sur l'honneur, très important. C'est pour ça que Dieu est Dieu. Sur son trône, nous incite et nous commande de l'honorer. Merci de nous associer à ce travail. Alors, nous sommes contents. Mon ami Papicho, il est bilingue et mon fils essaye. Je l'ai amené en Afrique du Sud trop jeune. À 4 ans, il était parti. Donc, toute sa vie, il a parlé anglais. Comme je vous ai dit hier, il est ingénieur chimiste. En même temps, c'est un théologien, un grand prédicateur. Lorsque je dis grand, ce n'est pas parce que c'est mon fils. Il est dangereusement grand. Et c'est vrai. Alors mais c'est... Écoutez, c'est bizarre parce qu'il vient de moi, mais c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre. Alors, je voudrais qu'il parle brièvement, peut-être 2, 3 minutes, 5 minutes en anglais, puis lui va faire un bon travail. Il veut rattraper son français, son lingala, son swahili, toutes choses. Thank you, Dad. Appreciate it. Alléluia. OK. So, thank you so much for having us and inviting us to be here. Merci de nous avoir invités à être en ce lieu. And it's a privilege for me to travel with Dad. C'est un privilège pour moi de voyager avec mon père. So, especially for our generation, we know it's quite rare. C'est spécialement pour notre génération, c'est vraiment un peu rare. Just to have a dad in the first place. D'avoir un père premièrement. And then to have a dad that's involved and present and actually a mentor as well. Et avoir un papa qui t'emmène à être dans sa présence et comme un mentor aussi. It's even more rare than that. Et c'est là vraiment c'est plus rare. Okay. Yeah. C'est rare. So no. I don't have a lot to say. J'ai pas beaucoup de choses à dire. Talking about protocol. Ben, il parle un peu de protocole. Si papa parlait, il n'y a rien d'autre à dire. If daddy was speaking, I ain't got nothing else to say. So prepare yourselves tonight. Prepare yourselves tonight. Alors préparez-vous ce soir. Open your minds. Ouvrez votre pensée. And also open your books or your phones. Ouvrez aussi vos livres, vos notes. And write something down. Et écrivez quelque chose. Because you can remember something in the moment. Parce que tu peux te rappeler de quelque chose en ce moment. And forget it tomorrow. Après oublier. So a short pencil. Et prends un stylo. A short pencil. Un petit stylo. Is better than a long memory. C'est mieux que, n'est-ce pas, une grande mémoire. So get into the habit of writing down. Il faut avoir l'habitude d'écrire. You don't have to write everything he says. Tu n'as pas besoin d'écrire tout ce qu'il dit. But when God talks to you. Mais lorsque Dieu vous parle. When there's a sentence. Il y a une phrase. When there's something that he says that touches you. Il y a quelque chose qu'il a dit qui vous touche. Write it down so you don't forget. Écrivez-le pour ne pas oublier. The book of Habakkuk tells us write the vision down and make it plain. Habakkuk dit que écris la vision qui est en train d'arriver. So whoever sees it will run with it. Whoever sees it will run with it. N'importe qui verra puisse courir avec. So many of us have failed to run. Beaucoup sont en train d'échouer de courir. Because there's no vision written. Parce qu'il n'y a pas de vision. So let's put our hands together and welcome the bishop. Est-ce que nous pouvons acclamer et recevoir l'évêque? Merci. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Voilà. Une fois de plus, bonsoir. Comme je vous ai dit hier, nous allons continuer sur la lancée de ce qu'on avait commencé hier. Et par la grâce de Dieu, terminer
pour prier un petit peu. Et puis nous allons céder le micro au pasteur. Et j'aurai fini mon travail pour cette fois-ci. Je crois que certains d'entre vous connaissent Dietrich Bonhoeffer. C'est un grand théologien qui a vécu à côté ici en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était aussi un défenseur de la justice sociale. Il a tout fait, Hitler emportait tout sur son chemin. Mais c'est parmi les rares Allemands qui ont essayé de pousser, malheureusement, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le Gestapo est venu, on l'a arrêté, puis il fut exécuté. Ce qui m'intéresse ce soir, ce n'est pas l'histoire de Bonhoeffer. C'est déjà une matière importante pour vous les jeunes. Mais c'est une phrase qu'il a dite au cours de l'un de ses sermons qui a changé toute ma vie. Bonhoeffer dit ceci. Toute personne responsable devra se poser une seule question dans la vie. Et voici la question. Que deviendra mes successeurs? Ou que deviendront mes successeurs? En d'autres termes, personne ne vit pour lui, nous vivons tous pour la génération prochaine. Et ça, ça change du tout le trajectoire de ma vie. On est dans des débats permanents parce que j'appartiens aux penseurs et tout cela. Et il y a une plainte sur le plan académique qui, dans ma tête, c'est une plainte stupide. Parce que lorsqu'on se plaint des jeunes d'aujourd'hui, qui sont devenus ceux-ci, qui sont devenus ceux-là, un jeune ne se forme pas. Un jeune devient ce qu'il voit. Deuxièmement, nous sommes en 95, par là, 96, et j'ai ce collègue, c'est un poids lourd parmi les pasteurs à Cape Town, et il parle beaucoup aux étudiants sur notre campus de Cape Town, où je suis aussi, on se rencontre plusieurs fois. Et le milieu étudiantin, il est le même partout. C'est des gens qui vous viennent en babouche, short. S'il fait très chaud, ils peuvent même venir torse nu. Mais mon ami venait toujours en costume, cravate et bien, bien habillé. C'est un blanc. Et une fois, je lui pose la question, je dis, mais c'est un campus universitaire, tu connais la culture des étudiants, pourquoi tu viens habillé tel que tu viens habillé? Écoutez sa réponse. Ces gens ne resteront pas étudiants toute leur vie. Un jour, ils seront directeurs. Un jour, ils seront managers. Un jour, ils seront présidents. Un jour, ils seront ministres. Il faut qu'ils aient un modèle de qu'est-ce qu'un homme sérieux et comment il s'habille. Je n'ai jamais oublié. La jeunesse remorque les adultes parce que les adultes ne réfléchissent jamais à la question fondamentale. Que deviendra la génération de nos successeurs? Et vous, les jeunes, ce soir, je voudrais parler non seulement à vos cœurs, mais à vos têtes. Prêtez-moi votre attention pendant quelques minutes, on aura fini. On ne reste pas jeune pour toujours. David dit, j'ai été jeune, je vieillis. Et j'emprunte de David sa fameuse phrase. Croyez-moi ou pas, j'ai été jeune, j'ai vieilli. C'est ça la vérité de la vie. Et voir ce monsieur, ses frères, ses sœurs, c'est la plus grande joie. Parce qu'ils ont été exposés à quoi ressemble un vrai homme, à quoi ressemble une vraie femme. Ils sont partis, ils font plus que nous.
dans plusieurs domaines, mais on les a lancés sur une bonne trajectoire. Que cette soirée de rafraîchissement rafraîchisse nos âmes, mais qu'elle rafraîchisse nos têtes. Et que l'onction de Daniel, l'onction de Néhémie, l'onction d'Esdras, l'onction de Joseph, c'est bizarre lorsque tu réfléchis à ces choses. C'est des enfants qui nous font dépenser de l'argent pendant 5 ans, 6 ans aux universités pour apprendre leur vie. Joseph n'avait que 17 ans, mais voici, dans mes 60 ans, en train d'apprendre la vie d'un garçon de 17 ans. C'est bizarre. David, pire encore, il n'avait que 13 ans. L'histoire que nous apprenons de Goliath, il ne pouvait même pas être dans ses assises, il fallait qu'il vienne à 14 ans. Esther n'avait que 17 ans. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, 21 ans d'âge. Leur histoire arrête notre attention. Ne soyez pas trop jeunes lorsque vous n'êtes pas trop jeunes. Toutes ces choses-là, ça marche pour un temps. Mais les vrais hommes ne marchent pas comme ça dans la ville. Tiens-toi debout, souviens-toi, tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu. Regarde la vie en face. Que la jeunesse ne soit pas synonyme de la stupidité. C'est à cette époque que vous devez prendre de l'avance sur ceux qui n'ont pas Christ. Parce que vous avez le même cerveau, mais au-dessus de ce cerveau, vous avez le Saint-Esprit. Daniel était 10 fois supérieur. Soyez supérieur au nom de Jésus. Que votre génération vous cherche. 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 Et puis nous sommes dans le psaume 126. Peut-être nous allons le relire et parler très brièvement. Psaume 126. Comme je l'ai dit hier, ça fait partie de Cantique de pèlerins. Lorsque les gens allaient à Jérusalem, ils chantaient parce que c'était le centre, c'était le point focal. Et il y a 15 chansons, je vous exhorte d'étudier, de maîtriser les 15 chansons de pèlerins, parce que nous sommes pèlerins, passagers, et ça va faire quelque chose. Voici ce que le psaume nous suggère. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Mireille, tout ce qu'elle a chanté aujourd'hui, c'était renforcé. La première partie de ce psaume, l'attitude de victoire, l'attitude de foi. Des chansons comme « J'irai », c'est dans ce domaine. Même lorsque c'est dur, Dieu est plus puissant que les choses les plus difficiles. Et puis au verset 4, l'écrivain continue, « Éternel, ramène aux captifs. » Voyez le mouvement de ce texte, et soyez excités. La Bible, c'est un livre exceptionnellement puissant. Parce qu'au verset 1, la Bible nous dit, l'Éternel ramena. Si mon français est encore bon, c'est le passé. N'est-ce pas? Il l'a déjà fait. Mais au verset 4, l'écrivain dit, Éternel ramène. Oh!
Il part de la louange à la prière. Il part d'une attitude de reconnaissance envers ce que Dieu a déjà fait à une attitude de priorité et de responsabilité pour ce qui doit être fait. Ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi, parce que ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. S'il faut vous donner ce psaume dans sa plus simple expression, le psaume dira simplement: Dieu a fait de grandes œuvres, mais il y a encore du travail à faire. C'est ça le résumé de ce psaume. Dieu a fait de grandes œuvres pour lesquelles nous sommes reconnaissants, mais il y a encore du travail à faire. Le contexte, c'est un peuple qui a vécu longtemps. 70 ans, c'est beaucoup d'années. Dans une terre étrangère, où ils étaient esclaves. La culture a été changée, ils ont adopté la culture de leur territoire d'adoption, la manière de vivre, toutes choses. Ils sont juifs de nom, mais leur élan est païen. Ils reviennent en vague. On a 20 000 personnes qui viennent, on a 8 000 personnes, on a ceci. Au moment où ils écrivent, il n'y avait que, sur toute la masse de millions, il n'y avait que 52 000 personnes qui sont revenues pour rebâtir Jérusalem. Néhémie est dedans, Zorobabel est dedans, Esdras est dedans. Mais le psalmiste se rend compte. Nous sommes une grande nation. Nous sommes un grand peuple. Nous sommes très nombreux. Nous ne pouvons pas être contents parce que 52 000 d'entre nous, nous sommes revenus. Il y a encore des millions qui sont restés ailleurs. Et il dit à Dieu, merci de nous avoir amenés comme le prémisse. Mais tu nous feras faveur si ce qui n'est pas encore terminé peut être achevé. Église appelée Église, on se réjouit lorsqu'on n'a pas encore fini. Qui a dit que mon apôtre et son épouse n'ont au-dedans d'eux qu'un seul bâtiment? Parce que nous pouvons camper autour d'un bâtiment, en faire un monument et rater des bâtiments. Oh! Merci Seigneur pour le bâtiment, mais les bâtiments qui sont encore potentiels, ramène-les aussi. Dans ce monde, lorsque tu as 1000 personnes dans ton église, tu appartiens à 3% des églises les plus grandes au monde. C'est un fait. 1000 personnes, tu es parmi les assemblées les plus grandes, les 3%. Mais lorsqu'on a une masse comme celle-ci, ici il n'y a que la jeunesse. Prenez les adolescents, prenez les codimes, prenez les papas, les mamans. Nous sommes nombreux. Mais nous pouvons voir la masse qui vient dimanche. Nous multiplions nos services et dire, nous sommes arrivés. Mais pas avec le psalmiste, il comprend. Merci pour ce qui est fait, mais il y a encore du travail à faire. Ah, Seigneur, tu as ramené, mais il faut que tu ramènes. Je vous ai dit, ce psaume, c'est une interpellation à la jeunesse dans deux dimensions. Un, c'est l'attitude. Dieu est puissant. Il est puissamment puissant. Et le diable sait que Dieu sait qu'il est puissant. Et le diable reconnaît et il accepte que Dieu est puissamment puissant. Lorsque le chrétien établit la puissance de Dieu, les méandres de la vie, les vicissitudes de la vie, les hauts et les bas, les tournures, les coups bas, ça ne nous dérange plus parce que nous devenons imbougeable, inchecable, inchangeable, parce que nous savons Dieu, il est au contrôle. C'est pour ça que je vous ai dit,
Lorsque vous marchez avec Dieu, l'expérience est toujours plus profonde que vos attentes, parce qu'il est Dieu. Seul lui est spécialisé à prendre les vierges, leur donner des enfants. Seul lui est spécialisé à prendre deux poissons, cinq pains, nourrir 20 000 personnes. Seul lui attend que les gens meurent au majuscule pour les ressusciter au quatrième jour. Seul lui refuse d'utiliser les moyens comme bateau et marche sur les eaux. Et il fait la passe à ceux qui ont la foi d'expérimenter l'inexpérimentable. Dieu est puissant. Le jour que tu établis dans ton attitude qu'il n'y a aucun défi dans ce monde, aucune difficulté dans ce monde, aucun souci dans ce monde qui peut dépasser Dieu, tu es devenu chrétien. Combien de fois Jésus a prié, Seigneur, ces choses, je ne les demande pas pour moi, je sais que tu les fais, mais c'est pour ces incrédules. Sois à l'aise dans ta peau si tu marches avec Dieu. Que Dieu ouvre les portes inattendues. Cyrus prend sa main d'œuvre moins chère, il la libère. Parce que Dieu lui a dit, libère-les. Mais si nous sommes forts en attitude, nous sommes faibles en priorité. S'il y a une théologie qu'on doit retourner à l'Église, c'est la théologie du travail. C'est la théologie du travail. Frères et sœurs, si le Japon était monté et avait atteint son apogée, c'est parce que les Japonais travaillaient 12 heures par jour. Et lorsqu'ils ont adopté les habitudes des Français, oh, j'ai dit les Français, non, les habitudes des Américains, le Japon est dans la chute, parce que la Bible dit, tout travail procure de l'abondance. Dans cette atmosphère de rafraîchissement, jeune homme, jeune fille, écoute la voix du Seigneur. Travaille. Cette théologie du travail, je ne peux pas entrer dedans et parler, c'est des jours et des heures. Mais je voudrais vous donner quatre choses comme ma contribution à votre futur. Parce que Bonhoeffer me rappelle aujourd'hui que tout homme responsable doit se poser cette ultime question. Que deviendra la génération qui me succède? Et parce que je me veux être un homme responsable, mon souci et ma question doit être, ces jeunes gens, allons-nous former un groupe de danseurs? Allons-nous former un groupe de plaintifs qui se plaint de Macron, qui se plaint du maire de la ville, qui se plaint de tout? Ou nous allons former un groupe de gens qui disent, ça ne va pas, mais nous allons changer ces choses? Si personne ne l'a jamais fait, tu seras le premier à le faire. C'est quoi que Dieu a en tête? Qu'est-ce que ces gens sont en train de dire à Dieu? Quel échange qu'il y a dans cette danse? Lorsqu'on est vraiment touché et qu'on comprend la théologie du travail qui fait que des nations, des sociétés, des familles, des individus connaissent du progrès, parce que c'est ça que ces gens demandaient. Tu as ramené 52 000, mais nous ne sommes pas 52 000. Nous sommes plusieurs millions. Continue le travail, Seigneur. Je le dis ici chez nous, dans le temps. Prier sans agir, c'est se moquer de Dieu. Agir sans prier, je m'excuse, c'est de l'arrogance. Nous prions pour que Dieu parle et que nous fassions ce qu'il nous dit de faire. Nous ne faisons pas ce qu'il nous a dit. Donc,
Restez dans cette optique de prière, prière à la manière pentecostiste, charismatique. Ça ne va pas. Nous prions pour que Dieu parle afin que nous jasissions selon les instructions et les injonctions de Dieu. Moi, ça va? Bienvenue. Non, c'est bon. Écrivez pour ceux qui peuvent écrire. Vous pouvez écrire avec toute chose aujourd'hui. La première chose que vous apprenez, si vous mettez la priorité dans le travail, afin que Dieu accomplisse par vous le maximum qu'il a accompli, c'est la vertu. On est ensemble? Je suis allé chercher de gros mots pour aussi être français et tout ça. Et parfois, je ne sais même pas vertu, c'est quoi? Non, je sais. Parce que si tu es en France, il faut chercher de gros mots et puis changer l'accent. Bon, ben, voyez. Vertu, c'est un mot intéressant. Alors, pour ceux qui font, mon fils et moi, on a la joie de faire juste les études de mots, comprendre ce que ça signifie, leur origine et tout cela, comment ça changeait. Et c'est quelque chose de bien. La racine du mot vertu, c'est la fidélité. Avec Dieu, ce n'est pas le muscle qui compte d'abord, c'est le caractère. Lorsqu'on est fidèle aux principes bibliques, on a déjà fait 60% du travail. Venez, venez, venez. Vous êtes trop loin. Venez. Tu as parlé de Genèse 1 aujourd'hui. Je peux tricher dans ton Genèse 1. Ok, il me donne la permission. Bereshit est intéressant. C'est l'ouverture, Bereshit, au commencement. Lorsque la Bible est écrite et qu'elle dit au commencement, tout chrétien intelligent sait que l'introduction de tout travail, c'est la chose la plus importante, parce que lorsque tu maîtrises l'introduction, tu comprends où le corps et la conclusion sont en train de mener. Donc, le secret de la Bible, c'est le premier verset du premier livre à la première page. C'est ça! Lorsque tu as raté le premier verset du premier livre à la première page, tu n'as pas compris la Bible et ce n'est pas sage. Parce que la Bible, c'est une histoire d'un homme qu'on introduit ou d'une personne qu'on introduit. Et cette personne, c'est Dieu. C'est l'histoire de Dieu. Et toute l'histoire biblique est calquée sur ce grand monsieur qui nous aide et nous aspirons à devenir comme lui, parce que nous savons, comme il n'échoue jamais, comme il ne rate jamais, comme il n'est jamais surpris, si nous devenons comme lui, peut-être à un pourcentage réduit, nous ferons comme lui. Hein? Et la Bible dit, au commencement, Dieu recevait la louange. J'essaie encore, l'église va se lever. Au commencement, Dieu était assis sur son trône. Au commencement, Dieu recevait les prières des gens. Au commencement, Dieu... Non. Je vous amène quelque part. Au commencement, Dieu travaillait. C'est l'introduction de toute la Bible. Si tu as raté le caractère le plus puissant de Dieu. Dieu est un bosseur. La raison pour laquelle il réussit, c'est parce qu'il travaille beaucoup. Au commencement, Dieu travaillait. La Bible veut que toi, jeune homme, dans cette atmosphère de rafraîchissement, tu connaisses ton Dieu. On te l'introduit au premier verset, au premier livre, à la première page. Dieu au travail. La théologie du travail, c'est la plus grande théologie pour celui qui est déjà en Christ. On se demande toujours, je prie beaucoup, je donne ma dîme, je donne mes offrandes.
Le progrès dans la vie, ce n'est pas la dîme et les offrandes et la prière, c'est le boulot. Jeunes gens, vous voulez remorquer les gens de votre génération? Travaillez plus qu'eux. Et puis la Bible est intéressante. Parce que tout le premier chapitre, c'est un Dieu qui travaille. Il travaille le premier jour, il travaille le deuxième jour, il travaille le troisième jour, il travaille... Bien-aimé. Oh, cette histoire vient toujours lorsque l'onction augmente. Écoutez-moi. Je vous amène dans une théologie compliquée. Au moins, si ça vous complique, lui, il viendra arranger. Lorsqu'on l'appelle Dieu, c'est parce qu'il est tout-puissant. Et Dieu peut dire un mot et s'arrêter. Mais la Bible nous dit que pour créer, Dieu travaillait non-stop. Ce n'était pas un petit boulot. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, la Bible dit, Dieu se reposa. Pourquoi s'est-il reposé? Je sais que ça va vous compliquer. Il s'est reposé parce qu'il était fatigué. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu ne faisait pas du film. Il ne faisait pas de théâtre pour dire que prétendons que je suis fatigué, je me repose. Non. C'était un vrai repos. Jésus, lorsqu'il était fatigué dans la barque, il était réellement en français fatigué. Et puis, nous sommes là. Pourquoi sommes-nous là? Parce qu'il a travaillé 6 jours, il s'est reposé 1 jour. Mais quel est le problème de l'Africain typique? Pas vous les Français. L'Africain typique se repose pendant 6 jours, il travaille pendant 1 jour. C'est ça le problème du christianisme qui fait la honte de Christ, c'est de changer Genèse 1. Genèse 1, on travaille plus, on se repose moins. Mais Genèse du 21e siècle, on se repose plus, on travaille moins. Les Français demandent, sur les 38 heures que vous avez, qu'on diminue encore les heures de travail. Pour que vous fassiez quoi avec vous-même? Choquons les uns les autres. C'est l'atmosphère de rafraîchissement. Et puis nous allons arranger à la fin. Parce que je dois rester vos amis. Lorsque tu passes tout le temps à suivre la télévision, sais-tu que la personne que tu regardes est au boulot? Ta vedette préférée, c'est son travail. Tu chômes pour soutenir celui qui travaille. Au commencement, le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a aimé, me dit, petit, si tu veux marquer ta génération, bosse. Travaille. Travaille. Jeunes gens, être vertueux, ce n'est pas marcher avec une tête inclinée à 45 degrés. Non, être vertueux en tant que chrétien, c'est de dire, je serai fidèle aux Écritures. Et si la Bible m'introduit au verset 1, du chapitre 1, de la première page de ma Bible, au travail, je serai fidèle au boulot. Amen. Serai fidèle au boulot. Sais-tu que si tu lis seulement pendant 15 minutes chaque jour ta Bible, à la fin de l'année, tu l'aurais lu 4 fois. 15 minutes, pas beaucoup. Mais il y a des gens qui sont chrétiens depuis 20 ans, qui n'ont jamais terminé Genèse. Livre en a compliqué, hein? Il engendra, il fit engendrer, il engendra. Ah, livre en... C'est pas possible. Nous avons dans cette salle des gens qui ont fait le droit. Le droit, c'est la torture.
Mais si vous voulez être un bon avocat, un bon juge, vous devez connaître ces volumes et ces volumes. Ces gens m'impressionnent chaque fois qu'il y a jugement au parquet. Parce qu'ils disent, article tel, allez à tel endroit, on dit ceci. Mais si tu ne connais pas, comment tu vas défendre? Le secret de ta vie est là. C'est le livre de vie. C'est le livre de vie. C'est le livre de vie. Maîtrise-le. Connais-le. Maîtrise tout ce qui est écrit. Tu seras surpris par ce que tu peux faire dans la vie. Alléluia! Et puis, on peut aller dedans pendant longtemps. Mais je n'ai pas le temps. Lorsque vous lisez Genèse, surtout chapitre 1 et 2, vous trouvez que le premier aspect du travail n'est pas physique. C'est l'aspect intellectuel. Le cerveau, c'est ça. Le cerveau n'est pas un jouet, c'est un outil. C'est comme quelqu'un qui achète une tablette, un ordinateur de grand calibre. Tout ce que tu fais sur l'ordinateur, c'est jouer au jeu de cartes. Moi, technologiquement, je suis nulle part. Et puis, on a un souci. Vous vous rappelez de Sharon? Sharon, c'est la petite soeur d'un ami. Nous parlons avec Sharon et puis on est ici, il y a un souci. Non, on est à l'université de Johannesburg. Et puis, il fallait trouver un truc. Sharon parle à son ordinateur. Siri? J'ai dit, mais cette fille, elle est sorcière. Comment elle appelle des gens dans l'ordinateur? Dis-moi ça! Et Siri répond. Oh! Siri peut parler. Et je me rends compte que toutes ces années, j'ai Siri dans mon ordinateur, mais je n'ai jamais sollicité Siri. Frères et sœurs, personne n'a 28 heures par jour. Les riches, les pauvres, les sans domicile, les plusieurs domiciles, le Bill Gates, c'est 24 heures par jour. Qu'est-ce que tu en fais? Ton cerveau a le même nombre de cellules que n'importe quel cerveau. Il y a des cerveaux qui ont été rendus impuissants par des trucs que nous mettons dedans. Je suis à Washington. Non. Virginia Beach, dans la salle de classe. Et le professeur entre, se tient devant nous et nous dit ceci. La chose la plus difficile, c'est de réapprendre ce qu'on avait mal appris. Je n'ai jamais oublié. Parce qu'il y a dans l'homme la pesanteur, la résistance à tout ce qui défie ta posture. Tout celui qui a des enfants qui jouent au sport, spécialement le football, vous serez étonné, je fais beaucoup de sport. Si tu emmènes ton fils déjà 10 ans, 12 ans, c'est déjà trop tard. Ce garçon, on le prendra pendant une année dans l'académie de football juste pour lui enseigner comment se tenir debout. C'est bizarre. Parce que tu peux être bizarrement positionné, tu crois que c'est normal. C'est pour ça que chaque fois que tu shootes, la balle va ailleurs. Atmosphère de rafraîchissement. Au commencement, Dieu travailla. Les jeunes de notre église, au commencement, ils travailleront. Ils travailleront. C'est une très jeune dame. Je l'ai vue chanter, j'ai vu l'aisance. Et puis ce qui m'a touché, c'est lorsque je vois au bas de la chanson son nom. C'est là que j'ai fait attention. C'est facile de chanter les choses d'autrui. Mais trouver ta voix,
c'est la chose difficile. Que ce soit écrivain, prédicateur, je peux venir ici et devenir T.D. Jakes. Mais être Tchalo, c'est du boulot. C'est du boulot. Être elle, c'est du boulot. Tu ne deviens pas toi en suivant la télévision. Non. Jeune dame, jeune monsieur, bienvenue à l'atmosphère de rafraîchissement. Bienvenue. Bienvenue. Je ne pense pas qu'on va dépasser le premier volet de la théologie du travail. Parce que tout est lourd, tout est lourd, tout est difficile. Ce soir, on va s'arrêter là. La vertu. Mon travail dans la vie, c'est un, connaître ce que la Bible dit. Deux, me battre pour que je puisse m'aligner aux Saintes Écritures. Si elle me dit de sauter, je saute. Si elle me dit de courir, je cours. Et lorsque je fais ces choses, j'attends que Dieu fasse ce qu'il a voulu faire. Puis-je nous aider? L'Afrique est intéressante ces jours-ci. Nous avons des présidents du Mali, de RDC Congo, et puis le militaire ici qui vient de prendre le coup, c'est Guinée. C'est des anciens Français belges qui ont connu beaucoup d'hommes ici, qui jouent au football, qui étaient amis aux autres, et puis sont devenus présidents en Guinée, au Mali, au Congo. Et puis je connais des amis qui étaient ici pendant longtemps, qui connaissaient ces gens qui sont devenus présidents. Tous partent en Afrique. Dieu vient de les appeler. Oh, I'm going to talk. I'm going to talk. I'm finishing. Tomorrow I'm gone. Mais je vois dans la Bible, mon apôtre, Néhémie n'est pas un poids léger. Néhémie est un poids lourd. Il voit pas le président, le roi, tous les jours. Ce que le roi mange, Néhémie le mange d'abord. Tu ne peux pas priver à Néhémie le repas du roi. Le roi ne peut pas manger si Néhémie a encore faim. C'est Néhémie et puis le roi. Et puis il n'est pas connu seulement par le roi, la femme du roi connaît Néhémie. Et non seulement ils connaissent le nom de ce jeune homme, ils le connaissent tellement bien qu'ils peuvent détecter quand l'ennemi est triste. C'est des intimes. Mais l'ennemi fait le trajet inverse. Nous quittons l'Europe pour suivre l'Afrique, vient de nous appeler parce que nos amis sont là. Mais l'ennemi laisse ses amis parce que la mission l'appelle là où il n'y a personne. Oh, hey, hey, hey! Tout le monde est pauvre à Jérusalem. La muraille est détruite. Il n'y a aucune dignité. Les gens sont esclaves de dettes. Il y a la souffrance. Mais ici, il y a les beefsteaks. Les burgers du roi. Mais parce que je comprends mes priorités, j'irai là pour relever les autres. Ceux qui sont restés en Iran, en Irak, ce sont ces pays, les Perses et tout, ce sont les nouveaux noms. Aucun d'eux n'est connu. Mais ceux qui ont quitté l'Iran, l'Irak, qui sont allés pour relever la société, qui ne connaît pas Néhémie? Qui ne connaît pas Esdras? Qui ne connaît pas Zorobabel? Que l'histoire ne t'oublie pas. Oh non, non, non.
que je parle aux gens qui sont au fond. Que l'histoire ne t'oublie pas. Ne cherche pas la voie de la facilité. Ne cherche pas que des gens qui ont les noms fassent de toi quelque chose. Fais des gens quelque chose parce que tu as créé un nom. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Ce soir, c'est un soir où nous voulons signer des décrets avec Dieu. Oui, oui, si vous sentez qu'il faut prier, allez-y déjà, vous n'avez pas besoin d'attendre les musiciens. Ils viendront quand ils sentent qu'il faut venir. Mais dans l'entretemps, nous nous mettons à prier. Nous nous mettons à prier, nous nous mettons à prier, nous nous mettons à prier, nous nous mettons à prier. Nous nous mettons à prier. Levez les bras, levez les voix. Commence à dire quelque chose à Dieu. Je ne pense pas que ce soir, tu es venu seulement pour accompagner. Ce soir, il y a un shift, il y a un changement. Il y a une direction, il y a des décisions qu'il faut prendre. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Kena mama mama yanda ngombresi la calde brossa. Sane la luce te ne meride kentro na mar de calde banagente peri de corde brama salage. Meni na losta la mar de calde managento no mosti la babre vasi la luce ca la mana de canta. No recarde brama maya scara la boschere le beri de can. Puis j'avoue tous les musiciens, les instrumentistes, tout le monde. À leur position, kera mama 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 scara la bosh kere le ba. Neriker de brona sala karde brama maya kantono mor de kara la momo senta baraga. Alleluia. Neriker de bro sa kara la bosh kere la mama maya santa bara de kantono. Mera ya mama 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 shikara la bobo skere la beri de kanta. O tanganda la bara de kontono mor de kere la mosh kere la mama maya santa baraga. Oranda maragerda mama maya sato corde mama kentono morde cara la bocheta. Ora ya mama 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 maya sacara la bocheta keri la baba canta. Oh, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Le Seigneur est déjà dans ces lieux. Le Seigneur est dans ces locaux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Keri mana mama mbrema masala cardo. Era katono morde kile la moshente bara de kantana mara de gain. No raya mana mara mara makara mama mbromo sekere la baba baya sakara bosta. O raya na mana mana nela kero lo bo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 
Le ciel est ici, le ciel est ici, le ciel est ici. Le ciel est ici, le ciel est ici, le ciel est ici. Toi, je veux avancer. Oui, tu changes. Oui, tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Mais toi, je veux avancer. Mes amis, nous pouvons lever les bras. Voici la prière que je voudrais que nous puissions faire. Je voudrais que tous ensemble, sans exception, pas de distraction dans cette salle, pas de mouvement inutile dans cette salle. Nous voulons prier parce que ce soir, nous voulons changer notre trajectoire. La raison pour laquelle le psaume 126 est écrit, c'est parce que 52 000 sont revenus, mais ils étaient des millions. Et c'est, l'écrivain a dit, nous ne pouvons pas être contents seulement parce que une poignée est revenue. Seigneur, nous voulons bosser, nous voulons travailler pour que tout le monde revienne. Lève ta voix, élève ta voix. Commence à dire à Dieu, laisse-moi travailler pour que tous ceux qui peuvent être sauvés soient sauvés à cause de moi. Ceux qui peuvent être délivrés soient délivrés à cause de moi. Que la justice revienne. Prions tous ensemble. Alléluia. Kera mama 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 sanda kara la bromo sikere le brache. Re mama 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 ya skara la boche koro le broche bere de ke. Kera mama 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 ya sando koro le bromo boskere le bere de korda maraga. Neri de ker de brosso la korda pe mama ya santa bara de kenta. Ora kato no morde kira la mama ya de koro la bromo sete kere la brosa. Re mama 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 skara la borde koro la mama tranga de. Ori koro bro. Ori koro bro se mane de korda pe mama ya santa kara. Je vais céder le micro bientôt, mais nous voulons faire encore une prière. Une dernière prière avant que le Père puisse venir, parce que la Bible déclare comme les flèches dans le carquois d'un chasseur sont les fils et les filles. C'est le chasseur qui lance dans la direction. Il va parler, il va prophétiser, vous lancez dans le futur, afin que la génération qui vient après vous soit meilleure que la vôtre. C'est pour cela que nous sommes vivants. Ils ont tout fait, lui et sa femme, pour que le pasteur qui le remplacera ne souffre pas comme il a souffert. C'est ça la vie. Nous facilitons l'autre génération. Il le fera. Amen.
Mais nous voulons d'abord prier. Parce que la Bible déclare, les derniers temps, les derniers jours plutôt, seront des jours compliqués. Mais dans ces derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront des visions. Ce soir, tu vas réclamer une vision fraîche. Une vision fraîche qui vient avec stratégie, qui vient avec connexion, qui vient avec puissance. Que le Saint-Esprit te visite tout de suite. Prions tous ensemble. Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus, tes enfants sont debout devant ta face, ô notre Dieu, notre roi. Ils sont la Père éternel et Dieu merveilleux. Je ne pense pas qu'ils sont venus seulement parce qu'il y a un programme au niveau de l'église. Ils sont venus parce que c'est un rendez-vous divin. Un rendez-vous, Père éternel et Dieu merveilleux, où tu as voulu préparer cette génération, mon Dieu, mon roi. Comme Bonhoeffer disait, la question que tout homme responsable doit se poser, quel sera le sort de la génération qui nous succédera? Ô notre Dieu, notre roi, nous ne voulons pas que cette génération perde encore, Père éternel, comme nous l'avons perdu. Seigneur notre Dieu, au lieu que les parents remorquent leurs enfants, les enfants commencent à remorquer les parents. Père éternel, nous avons perdu le leadership. Mais mon Dieu, mon roi, ce soir les choses peuvent changer. Ce soir les choses peuvent changer. Oui, mon Dieu, à cause des erreurs des parents, la génération des ennemis et les autres se sont retrouvés, mon Dieu, mon roi, dans une terre étrangère. Ils étaient là, ne connaissant pas leur langue maternelle, ne connaissant pas la culture et les coutumes, parce que les parents ont commis des erreurs. Mais Némi s'est levé, Esdras s'est levé, oh mon Dieu, mon roi, Zorobabel s'est levé. Ils ont dit, nous rentrons pour rebâtir, nous rentrons pour établir, Père éternel et Dieu merveilleux. Que le christianisme, Père éternel et Dieu merveilleux, ne soit plus associé à la médiocrité. Que le christianisme, mon Dieu, mon roi, ne soit plus associé au fainéantisme. Que le christianisme, mon Dieu, mon roi, ne soit plus associé aux gens qui sont dépassés par la vie et qui ne savent pas quoi faire avec eux-mêmes, qui vont se cacher dans les locaux. Père, nous voulons monter. Tu nous appelles étoile. Tu nous appelles étoile. Tu nous appelles lumière. Tu nous appelles le sel de ce monde. Tu nous appelles une ville sur la montagne. Oh Dieu, reçois. Reçois ces jeunes gens. Reçois ces jeunes dames. Père éternel et Dieu merveilleux, donne-leur des visions fraîches. Donne-leur des visions fraîches. Qu'ils voient. Au nom de Jésus. Ramagababé. Remagababé. Remebegoroma. Robababaya. Righetto no mokoro, maragara mana de canta, oni la londe ngorobosha, rema mama, rime megerebosata, ramagesho, righe balakoro metanda, ramagesho, ricotto no mere de tanda, ramagesho, ricchetto mongenda maraganta, ramagesho, ricchetto no mongata maragela paia, ramagetto, ricchetto no morde che la boscia, ramagetto, ricchetto no morde che la boscia. Je m'excuse, je vous dérange un peu. Mes antennes sont trop sensibles. Je crois que la chanson sur laquelle la main de Dieu est, c'est J'irai. N'ayez pas peur de réchanter lorsque vous sentez que Dieu a sa main sur une chose. Si Isaac est devenu ce qu'il est, c'est parce que le Père était prêt à le sacrifier. En essayant de le sacrifier, il a garanti le futur d'Isaac. Ce sont les Isaac qui sont là. Ce sont les Isaac qui sont là. N'ayez pas peur de retourner sur cette chanson même 10 000 fois. Parce que la main de Dieu est sur la chanson. Mon apôtre, tes enfants sont là. Allez-y, j'irai. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé sans relâcher. Ton amour n'abandonne pas, bien que je sois imparfait. Tu es fier de moi. Rien ne
pourra changer ton amour pour moi. Alors invoquons le nom de Jésus. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Et rien ne t'empêchera de me protéger. Invoquons tous ensemble le nom de J'irai. J'irai, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, mon cœur sera comblé. Ma vie sera comblée. Mes besoins seront comblés. Car Dieu est Jéhovah. Alléluia. Oui, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Jirai. Je n'ai que toi. Mais ça me suffit pour travailler, Seigneur. Ça me suffit pour travailler, Seigneur. Ça me suffit pour travailler, Seigneur. Oh, 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 oh. Je n'ai que toi, mais ça me suffit. Oh, 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 oh. Je sais que tu m'aimes. Que nous sommes une génération choisie. Je sais qui tu es. Alors je sais qui je suis. Oh, je sais que tu nous aimes plus que nous ne pouvons l'imaginer. Et je n'ai que toi. Déclarons, je sais que tu m'aimes. Que tu m'as choisi. Je sais qui tu es. Alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Alléluia. Nos mains levées vers le ciel. Oui, nous n'avons que toi, Seigneur. Cette jeunesse n'a que toi, Seigneur. Cette jeunesse n'a que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous venons ce soir te consacrer toute cette jeunesse. Nous venons ce soir te dédier toute cette jeunesse. Nous venons ce soir t'offrir toute cette jeunesse. Dans le nom de Jésus, au Père, que sur eux ta main soit posée. Que sur eux tu répandes tes faveurs. Oui, les faveurs de distinction, de qualification. Dans le nom de Jésus, ta faveur pour les hauts, pour les placer dans les hauteurs, dans des places stratégiques. Dans des places d'influence, dans des places d'influence, dans le nom de Jésus, nous proclamons une jeunesse qui va marquer sa génération. Nous proclamons une jeunesse qui va accomplir les desseins de Dieu dans sa génération. Nous proclamons une jeunesse intelligente. Nous proclamons une jeunesse visionnaire.
nous proclamons une jeunesse puissante, puissante. Nous proclamons une jeunesse conquérante. Nous proclamons une jeunesse brillante. Dans le nom de Jésus, que la lumière de Christ brille en eux et par eux. Dans le nom de Jésus, que la lumière de Christ brille en eux et par eux. Dans le nom de Jésus. 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 Une jeunesse qui va aller de gloire en gloire, de puissance en puissance, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe, dans le nom de Jésus, de succès en succès, de réussite en réussite, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, une jeunesse qui sera la tête et jamais la queue, une jeunesse qui va briller au milieu des ténèbres. Une jeunesse qui va prier au sein des ténèbres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la grâce, la faveur de la grandeur s'attache à cette jeunesse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Brille. 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 Pour influencer, prie, 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 et sois distingué, prie, 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 oh Sharababa, Satorobo Karaba, Shitarababa, Glora Baba Raba, Shita, Sarobo Robokora. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Tu élèves une armée. Tu élèves une armée. Une armée pour conquérir le monde. Une armée qui court avec la parole, la Bible dans la main. Une armée qui court dans le monde. Oh, tu élèves une armée. Une armée conquérante. Tu élèves une armée conquérante. Une armée puissante. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cet équipement. En ton nom, nous nous opposons à toute forme d'opposition. Nous nous opposons à la paresse. Nous nous opposons à la négligence. Au nom de Jésus. Nous nous opposons, nous nous opposons, nous nous opposons à la procrastination. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une jeunesse mise à part. Amen. Sanctifiée pour toi. Consacrée pour toi. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, que la grâce du Théo repose sur chacun et que sa lumière brille dans nos vies, de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Waouh. Merci beaucoup Bishop. Que Dieu vous bénisse. Quelle bénédiction d'avoir de telles personnes. Waouh. Nous sommes très honorés. Merci pour votre disponibilité et l'amour que vous portez dans votre cœur pour nous. Je bénis le Seigneur. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché pendant une période. On passait un moment très difficile, on était en déplacement à gauche et à droite. J'étais dans le qu'est-ce que c'est, je ne savais pas quoi faire par rapport à l'église. Mais c'est là où vous m'avez envoyé un message. Comme ça, vers 3 heures du matin, je vois un message
juste pour vous encourager. Alors que je ne vous ai pas appelé, je ne vous ai pas dit ce que j'ai traversé. Mais Dieu, ça m'a beaucoup fortifié. J'ai dit, Dieu me connaît. Et merci pour de telles personnes. Vraiment, merci de tout cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Dites amen bien et fort. Gloire au Seigneur. Nous allons passer aux offrandes avant d'aller vers la fin et clôturer rapidement. On nous a dit qu'on peut chanter même 12 000 fois. So, j'irai encore. Est-ce qu'on peut chanter, j'irai ensemble? Levons-nous pendant que nous donnons nos offrandes. Il y a plusieurs moyens. Par carte bleue, vous passez de l'autre côté. Il y aura un moyen. Vous pouvez suivre en écrivant, en voyant ce texto BT. Et puis, il y a les paniers devant ici. Venons pour, après une bonne parole comme cela, donnons au Seigneur aussi une bonne offrande. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé. Sans relâcher, ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Rien, aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Et rien ne t'empêchera de me protéger, car tu es. J'irai, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, ma providence. J'irai, alléluia. Je n'ai que toi. Et qu'importe les circonstances, toutes circonstances, je serai comblé. Je serai comblé, car tu es Jéhovah. J'irai, je n'ai que toi. Seigneur, tu es ma providence, alléluia. Ensemble, je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Et maintenant je vois du sommet de mon ce dont tu m'as sauvé. Avec moi, je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Oh, j'irai. Tu es tout ce que j'ai. You are enough. You are more than enough. You are more than enough. Je n'ai que toi. En toutes circonstances. Toutes circonstances. En toi, je demeure. Je n'ai que toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mirella. Joyeux Jésus. Amen. Joyeux anniversaire. Je n'ai que toi. Merci beaucoup. Sachez que c'est une grâce pour moi de passer ces premières heures de cette nouvelle année à servir l'Éternel. Je ne pouvais pas rêver mieux. C'est le meilleur anniversaire. Passe un anniversaire au service. Merci l'Église. Merci. Amen.
Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur très fort encore. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Reprenons nos places 2 minutes et puis nous allons clôturer. Nous rendons grâce à Dieu. Encore une fois, joyeux anniversaire, Mirella. Ça fait du bien de faire du bien aux autres, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc si on donne, on a plus de bonheur, c'est qu'on est des boxeurs. Un boxeur heureux, c'est celui qui donne beaucoup de coups. Alors prenons cette philosophie, faisons du bien aux autres et nous serons heureux dans la vie. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, nous avons dit, nous sommes toujours à bord de notre flight, notre vol AR-21-31. Alors nous sommes presque comme si on est en train d'aller atterrir. Et le bien, c'est que nous faisons des escales. Et le bien aussi, c'est que même en plein vol, on embarque encore. Donc demain encore, on aura une journée chaude, forte, puissante, glorieuse. Quoi encore? Powerful and wunderbar. Où Dieu va nous faire beaucoup de bien. Dès le matin, ceux qui ne sont pas venus le matin, vous ne savez pas ce que vous avez raté. J'ai dit, ceux qui ne sont pas venus le matin, vous ne savez pas ce que vous avez raté. Ceux qui ne sont pas venus les après-midi, pour vous, j'ai prié que Dieu vous pardonne. Alors dites à ceux qui ne sont pas venus ce soir, hey, que demain, ça va chauffer. Nous rendons grâce à Dieu. Non, en tout cas, il faut dire merci à Dieu pour de tels dons. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. J'ai eu l'impression qu'on a séparé ma tête. Et puis, on a fermé. La deuxième dose, elle est dangereuse. Donc, tu es vacciné contre l'échec. Mais pourquoi toi, tu dis pas amen? Tu es vacciné contre la petitesse. Je suis en train de voir des grandes dames et des grandes femmes en ce lieu. J'ai dit, je vois des grands hommes, des grandes femmes en ce lieu. Des gens qui vont marquer l'histoire. Si c'est toi, lève ta main et dis, yeah! C'est nous, ces personnes-là. Aïe, 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 je sens les... Aïe. Aïe. Que Dieu soit loué. Aïe, 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 aïe. Demain, ne rate pas. Quand tu rentres, prie, dors. Demain matin, viens en ce lieu. Demain, si le diable habite en France, il va déménager. Oh, c'est comme si toi, tu ne me crois pas. Je dis, si, il va, on va l'envoyer ailleurs comme ça. Et là-bas, ils vont débrouiller. Mais nous, tenons-nous debout. Nous allons clôturer nos moments de prière. Alléluia. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Oh, quelle atmosphère. Quelle atmosphère. L'atmosphère des révolutions. L'atmosphère des changements, l'atmosphère d'affectation. Alléluia, on nous a bénis ici par la parole. Oh, le pasteur Nolé est venu encore nous bénir encore. Nous sommes condamnés à la réussite. Ah, oh, élève ta voix, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Alléluia. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Alléluia. Quelle atmosphère. Quelle atmosphère. Quelle grâce de nous retrouver en ce lieu. Glory. Merci. Dans cette attitude, je vais appeler un homme de Dieu merveilleux, le pasteur Papi Mushita, qui viendra pour clôturer cette session. S'il peut avancer. Alléluia. Père de grâce, te disons merci pour tout ce que tu nous as enseigné. Nous ne voulons pas seulement être de ceux qui écoutent, mais aide-nous à mettre ta parole en pratique. C'est dans le nom de Jésus que nous te demandons de nous raccompagner, en Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Courez vite vers les navettes. Ceux qui vont prendre le transport en cours. I'm